Bonjour à tous, on est chez HP Moto à Carcassonne pour une nouvelle émission sans concession et elle sera exceptionnelle puisque ce sera en présence de Mathieu Lagrive, grand pilote d'endurance. On parlera de sport évidemment, on parlera de grands horizons avec le Dakar qu'a fait Mathieu, mais aussi les balades GP avec Stéphane Coutel qui sera aussi parmi nos invités. On y va Mathieu ? On y va. Allez, c'est parti. Nous sommes dans l'univers Yamaha et c'est Stéphane qui nous accueille dans sa concession. Salut Stéphane. Bonjour, bienvenue. Merci. Un autre Stéphane est avec nous, c'est Stéphane Coutel. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Salut. C'est un plaisir de te revoir. Bah ouais, super David, un plaisir. Et Eric Sélis avec nous comme chaque semaine. Salut Eric. Bonjour David, bonjour messieurs. Ah messieurs, avant de commencer, on va regarder tout de suite une vidéo qui nous a véritablement scotché et on vous invite à réagir. This couple are extremely lucky to still be alive after rain made the road that they were riding on slippy. But luckily, this stranger saved their life. Take a look. Agissez en nombre, bien sûr, et on passera vos extraits dans l'émission. Voilà, donc n'oubliez pas, 10-15 secondes de vidéo avec vos réactions et on diffusera les meilleurs d'ici la prochaine émission ou dans 15 jours au plus tard. Alors Stéphane, on est ici à Carcassonne, chez Yamaha. Tu accueilles un autre Stéphane, tu le connais bien Stéphane, vous le connaissez bien ? Je le connais un peu parce qu'il habite pas loin. Et puis, on a eu l'occasion de faire déjà quelques opérations ensemble. Il amènera les clients au Cambodge au mois de novembre. D'accord. Tu y vas, toi ? J'y vais aussi. Au Cambodge, on va en reparler. Il a choisi Stéphane. Sa destination, le patron. Hein. Tout à fait, oui. Le concept, Stéphane, tu nous expliques en quelques mots. Il y a plein de motards ici, plein de motos. Il est 8h30 du matin. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce matin, on va partir en direction du circuit d'Aragon pour le MotoGP. Donc, on a rendez-vous donc chez HP Moto, chez Stéphane, donc avec un super petit accueil, avec le café, les croissants, et puis après on part en direction de Cervera par des petites routes. On va traverser les Pyrénées et chez Cervera, on a rendez-vous avec Ramon Marquez pour la visite du musée donc des frères Marquez et du fan club. Et puis ensuite, on dort sur place et puis demain matin on part pour le circuit d'Aragon. Pour le Grand Prix. Donc, vous partez d'une concession où il y a le portrait de Valentino Rossi pour aller voir le musée Marquez, c'est ce que tu es en train de me dire. Voilà, mais bon, de toute façon, on va essayer de voir quand même Rossi. Il y en a pour tout le monde, en fait. Il n'y a pour pas de parti pris. Il y a pas non, de non, non, pas non, de non, non. Rassurer les fans des deux. Voilà, il y a des fans des deux. Il y a des fans de Marquez, de Rossi. Il y a beaucoup de fans de Rossi, bien sûr, mais on a aussi... on est français, donc on est fan de Zarco. Et donc on va essayer de voir tous ces pilotes dès demain sur le circuit d'Aragon. Stéphane, c'est facile avec deux Stéphane, je ne me trompe pas, c'est simple. Tu regardes dans la bonne direction quand même. Ah, ouais, bon. Stéphane, au niveau des préparations, je vois que tu as des sportives un petit peu. Tu fais aussi de la préparation sur alors, des, à la concession, motos comme les XSR, tout ça ? À la concession même, non, très peu, ouais. Très honnêtement. On a Dorian Daré qui a fait le bol d'argent, avec qui on a fait le bol d'argent cette année. Ouais. C'était notre première expérience. On suit Dorian déjà depuis quelques années en YZF 125 puis en R3.
Mais la partie préparation, c'est vraiment une spécificité et très honnêtement, on n'est pas à ce niveau de compétence. Donc toi, c'est plus du soutien à des pilotes, des opérations comme celle de Stéphane et du soutien à des pilotes. Donc voilà. C'est le Mail Racing, hein, c'est ça? Voilà. En fait, Mélissa donc, a une team qui s'appelle Mail Racing, ouais, et qui, elle, vraiment a cette spécificité de faire rouler des pilotes, de préparer des motos. Et donc, c'est pas notre capacité à la concession. À la concession, on essaie de que les clients puissent rouler en sécurité. Bien sûr, toute l'expérience de la compétition transpire dans l'atelier puisqu'on a énormément d'informations qui remontent. Et ça, c'est vraiment agréable, que ce soit pour les motos tout-terrain, d'ailleurs, avec Nicolas Cuguière, comme avec Dorian en vitesse. D'accord. Mais après, il n'y a pas de préparation qui se font au sein même de la concession. Alors, on va écouter Mélissa, on va écouter Dorian et on va écouter Nicolas qui vont nous expliquer un petit peu leur implication. Mélissa et Dorian Daré, vous êtes frères et sœurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Mélissa, toi, tu es team manager du team Mail Racing. Tu fais rouler 3 pilotes, dont ton frère. C'est ça. Et pourquoi tu t'es lancée dans cette initiative? Alors, à vrai dire, c'est une passion familiale que l'on a depuis tout petit, puisque Dorian a commencé la moto très jeune. Mon papa était aussi ancien pilote, qui a commencé en cross et qui a fini par la vitesse. Du coup, j'ai toujours vécu sur les circuits, passé les week-ends sur les circuits, et c'est une passion que j'ai depuis petite. Pas forcément de rouler, mais tout ce qui est organisation autour, stratégie de course, management, j'adore ça. D'accord, donc là, les trois pilotes sont Dorian, donc moi-même. Tu as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Ouais. Et tu t'as fait, là, on est avec la moto du bol d'argent. Voilà. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, on a très bien roulé. On a eu quelques petits soucis dans les stands, mais rien de grave. C'est ça qui nous a fait perdre un peu de place. Mais bon, on termine 27e, mais on était dans le coup, dans les 5-6 premiers. D'accord. Du coup, c'était pas mal pour une première. On débutait, du coup, on a bien appris et on est super contents. Toi, tu fais le Supersport 300 en Espagne. CEV, c'est ça, en voilà, Espagne. C'est ça, en Espagne. Carcassonne n'est pas très loin de l'Espagne. Non. Oui, c'est ça. C'est presque comme si on faisait le championnat de France, c'est pareil pour nous. Alors les autres pilotes qui sont... Alors j'ai un pilote de Toulouse, Enzo Seoloto, qui a été titré en Coupe 125 de chez Yamaha, mm-hmm, vice-champion de France. Et j'ai un pilote de Nice qui s'appelle Sylvain Marcarian, qui lui a été vainqueur de la Coupe YZF 125 Yamaha. D'accord. Et Dorian qui est vice-champion de France en 400, Promosport 400 en R3. On va suivre merci la, à ta vous. Carrière merci à vous. Et l'évolution du team. Mail merci. Racing. Nicolas, tu es le pilote motocross de la concession HP Moto. Tout à fait. Et quel est ton champ d'action ici, à Carcassonne? Là, mon champ d'action, ben, disons que là, j'ai eu l'occasion de travailler ici, donc en apprentissage donc chez Stéphane. D'accord. En 2009, ce qui m'a permis de rentrer donc, dans la famille Yamaha, donc plus précisément, HP Moto. Comme toi, tu étais pilote de motocross. Tout à fait, donc je le suis toujours. Et là, disons qu'au jour d'aujourd'hui, mon action, c'est plus vers les jeunes, sur de la formation de pilote à travers une école de pilotage qui se trouve donc sur le motoclub d'Alérac. D'accord. Et toi, tu roules toujours en championnat de France ou Non. Je suis plutôt en championnat régional. Je reste dans le régional pour continuer à suivre donc les pilotes que j'entraîne et voilà. Voilà pour les pilotes que tu soutiens, Stéphane. Est-ce que le Nikon est arrivé ou arrive bientôt ou est-ce que tu en auras? Alors oui, j'en ai déjà acheté une pour moi à titre tu perso. Tu l'as essayé? Je l'ai essayé. Alors? Donc j'ai pu l'essayer il y a 15 jours. C'est vraiment une porte couvre Yamaha. Je pense que mon sentiment est exactement le sentiment que j'ai lu dans la presse moto. C'est-à-dire que face à la moto, on se demande un petit peu ce que ça va être, ce qu'on va y trouver, etc. Au bout de 15 km, on s'aperçoit que la moto est vraiment très très facile à utiliser et apporter énormément de sécurité. Et au bout de 30, on n'a plus de points. c'est un peu ça, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont roulé en hypersportive et j'ai été amoureux de motos hypersport, bon, notamment Yamaha parce que j'ai été piqué par la marque, mais j'ai eu d'autres motos aussi en hypersport. Et puis avec l'âge aidant, je me suis un petit peu calmé, les pouvoirs publics nous ont calmé aussi, il le fallait je pense.
Et là, j'ai retrouvé une moto avec énormément de sensations, des capacités à rouler en se faisant plaisir, avec un niveau de sécurité qui est quand même important. Donc, je pense que c'est une porte ouverte par Yamaha. Après, on rappelle que la Nikon, c'est la 3 roues. Hein, de la on dit Nikon ou on dit Nikon? Je sais pas. Très honnêtement, Nikon. Nikon. Nikon, à l'anglaise, quoi. Ouais, à l'anglaise. T'en penses quoi, toi, ancien pilote, Stéphane? Nikon, yeah. Yeah. Non, non, mais de la moto, du concept en lui-même, t'en penses quoi? Après, je sais pas, il faudrait pouvoir faire un essai. Et puis, mais bon. De prime abord, ça te donne envie de rouler ou pas? Je sais pas, franchement. Non, ça a pas l'air. Non. je suis pas trop attiré. Après, je sais pas, il faudrait pouvoir faire un essai. Mais là, comme ça m'attire pas plus que ça. Non. Alors, le Nikon, nous, on l'a essayé et on regarde tout de suite ce qu'on en a pensé. Je me prépare à ressortir le monstre de sa tanière et cette moto, la Nikon, attire vraiment tous les regards. Alors l'originalité du Nikon, je vais dire le Nikon, même si Yamaha considère que c'est une moto, donc l'originalité du Nikon, c'est cette double fourche avec deux fourches inversées de chaque côté, une fourche à parallélogramme qui a été étudiée pour tourner véritablement avec une grande précision, c'est-à-dire que la roue intérieure tourne davantage que la roue extérieure. C'est un système dit d'Ackermann, et c'est très connu dans l'automobile et ça permet au Nikon de tourner très bien et d'avoir une tenue de route eh bien, bluffante. Alors ces quatre fourreaux de fourche sur le Nikon, on le disait, ne passe pas inaperçu. Alors, ils sont très spécifiques, c'est-à-dire que l'avant a un diamètre inférieur à l'arrière. L'avant, c'est celui qui permet d'assurer la direction et l'arrière, c'est celui qui assure l'amortissement. Et ça, c'est indépendant. Les systèmes de suspension et de direction sont tous indépendants et même l'ABS est indépendant. Quand on passe un trottoir, l'une des roues se lève, l'autre reste stable, on appréhende un peu eh bien, la largeur, mais ça ne pose aucun problème. Quand on monte sur un trottoir, on sent rien du tout. Le Nikon pèse 263 kg avec tout ce système à l'avant, mais on est vraiment bluffé. On nous l'avait dit, on me l'avait dit, c'est bluffant, c'est surprenant. Et effectivement, en tenue de route, alors on se retrouve avec des repères comme une moto, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence si on n'y prête pas attention. Alors comme le train avant est assez lourd, j'étais vraiment intrigué de savoir comment agissait le traction control, puisqu'il y a deux modes de traction control sur ce Nikon, donc c'est là le petit bouton. Donc, c'est pas au guidon, hein, c'est bien ici et de toute façon ça se fait à l'arrêt, donc on peut régler sur le mode 1, le mode 2 ou carrément le déconnecter en appuyant longuement. Donc ce qui est surprenant, c'est que sur le mode 2, le mode le plus sécurisant, là ça décroche tout le temps, l'arrière n'arrête pas de couper, donc faut vite passer au mode 1. Mais assez rapidement, ça décroche. Donc, le train avant étant lourd, l'arrière a du mal à pousser, donc ça décroche. De toute façon, il y a le traction control, donc ce n'est pas dangereux. Et je me suis dit, ça doit décrocher encore plus quand on désactive complètement le traction control. Eh bien non. C'est-à-dire que le train avant est rivé au sol et l'arrière accroche bien parce que la moto, elle est remarquablement équilibrée. C'est une moto qui est dérivé de la MT-09, donc ça a une motorisation 3 cylindres en ligne. C'est le moteur de la MT-09 qui est aussi sur le traceur, donc un guidon très large, un guidon qui vibre un peu, il faut le dire, c'est-à-dire qu'au bout de pas mal de kilomètres, on ressent un petit peu des fourmis dans les doigts, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et puis finalement, dans le flot de la circulation, c'est pas très large, c'est pas beaucoup plus large qu'une moto classique. Je crois que ça fait 830 mm de largeur. La position est très ergonomique. La bulle ne protège pas, en tout cas dans cette position. C'est une moto extrêmement, extrêmement rigide. Donc je suppose que dans les petits cols, ça doit être très efficace. De toute façon, on vous donne rendez-vous. On ira dans un prochain numéro de Sans Concession au guidon de ce Nikon dans les Alpes, c'est promis.
Voilà pour nos sentiments sur le Nikon, Stéphane. Oui, j'allais dire, ce sera intéressant de re-interviewer Stéphane lorsqu'il l'aura essayé, parce que c'est exactement la position dans laquelle j'étais avant l'essai, On a été beaucoup à être conquis après l'essai. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il faut, il faut faire un essai. Il faut tout essayer. On avait reçu Eric Dessène dans une émission il y a quelques semaines, qui nous avait expliqué aussi les réticences même des décideurs chez Yamaha. Quoi. Il nous avait expliqué qu'il avait été même obligé de les forcer à rerouler derrière lui. Et il avait volontairement accéléré le rythme pour un petit peu débrider tout ça. Avant de passer au top et au flop, on va regarder la revue de presse pimentée de Quentin. Ah, c'est vraiment beau comme coin, tu vois, c'est calme, c'est serein. Et vraiment, c'est mon état d'esprit cette semaine au moment de faire cette chronique, tu vois. Honnêtement, j'ai eu que du bon. Je suis limite emmerdé, j'ai pas de vanne méchante, j'ai rien. Donc, allons-y. Alors on commence par mon gros coup de cœur de la semaine. Donc c'est le 100% moto de Fluide Glacial, un hors-série tout simplement génial où tous les grands noms de la BD moto sont rassemblés. Ça va de Coyote à Bardeux en passant par Margerin et Petit Luc. Donc c'est vraiment génial, foncez. En plus, cerise sur le gâteau, Groland est aussi de la partie avec un roman photo avec Serge Nuc complètement barré. Enfin, honnêtement, c'est 100 pages de bonheur, donc foncez quoi. Ensuite, je vous ai déniché dans Tendance Vintage un article trop choupinou sur les mobs de notre jeunesse. Donc c'est vraiment séquence nostalgie, c'est très sympa. C'est écrit en 14 pour pouvoir lire ça avec vos lunettes. Enfin, c'est vraiment super quoi. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il est allé foutre à lire ce magazine de hipster ? Bon, je sais pas ce qui m'arrive, mais ça fait quelques temps que je commence à m'intéresser au custom. Alors je sais pas, peut-être que je vieillis, peut-être que je prends du bide. Peut-être que c'est parce que je me suis mis à lire Freeway. Et pour le coup, c'est un magazine hyper bien équilibré. Vraiment toujours très agréable à lire, très intéressant. Même quand, comme moi, t'es pas du tout un biker. Et dans ce numéro d'octobre, je vous conseille vraiment le cahier central sur le Sturgis Rally. Avec des réalisations, mais tout simplement magnifiques. Pour terminer, je voulais juste vous parler d'une des dernières vidéos que Motomag a fait. Donc c'est l'essai de la Zero, vous savez, la moto électrique. Et donc on a François Boarois qui l'essaye et qui fait ses commentaires en direct live, façon vlogueur, quoi. Et ce qui est assez énorme, c'est que globalement, il déteste cette bécane. Et alors, il va galérer, il va essayer de trouver des points positifs, mais en fait, il la descend tout simplement gentiment pendant 7 minutes. Donc, j'avoue, c'est assez drôle. Et ça a le mérite d'être super honnête. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Je vais profiter que c'est bien calme pour aller faire chier les voisins avec mon enduro. Allez, à la semaine prochaine. Yamaha ouvre des portes, hein. Yamaha ouvre les portes notamment de scooters électriques rechargeables, puisque la marque s'est associée à Gogoro. C'est une... À qui ? Gogoro. Tu te souviens, on avait le président indonésien qui avait un drôle de nom. Ah oui, le président de la fédération. C'est à Taïwan. Plus de 17 millions d'échanges de batteries sont faits par cette firme à laquelle s'est associée Yamaha pour faire des scooters électriques rechargeables. Un peu comme les bouteilles de gaz, on change quand on n'en a plus, on vient échanger sa batterie dans des... Il y a 750 sites. C'est un peu ce qui avait été plus ou moins envisagé pendant un moment, justement sur les voitures aussi. On rentrait dans une station, on posait la batterie et on repartait pour éviter les temps de recharge. Voilà, ça devrait être prêt à l'été 2019. Yamaha essaye aussi, toujours sur les scooters, un airbag. C'est un airbag avec des coussins gonflables au niveau du bas pour le torse et les jambes. Voilà. Ouais. Et puis Yamaha se lance aussi dans les vélos électriques aux USA avec 4 modèles. Donc tu parlais d'ouvrir les portes, Stéphane, je crois que la marque essaye de repousser. On sait que Honda et BMW font des motos autonomes aussi, en plus de Yamaha. Oui, voilà. Des motos autonomes, Honda, l'airbag aussi. Je pense que de toute façon, c'est un peu ce que disait Stéphane, c'est des passages obligés, il faut aussi se calmer, il faut aussi aller dans le sens de la sécurité. Et aujourd'hui, on sait bien qu'à un moment ou un autre, l'électrique sera incontournable. Donc il vaut mieux, comme je le dis souvent, prendre le train quand il est encore à la gare plutôt que d'essayer de monter dedans une fois qu'il est parti. Hein, quelle image, n'est-ce pas ? On va la noter et on s'en servira. Hein. Magnifique. Et puis, j'espère qu'Éric Communier la retiendra, celle-ci. Je peux la refaire, si tu veux. Non, c'est bien. Dans les nouveautés dont on parlera bientôt, il y a notamment un nouveau casque roof boxer. Je t'ai vu, Stéphane, revenir. Tu es allé nous chercher des croissants ce matin. Tu as un casque roof, tu as tout un tas de casques roof. Roof, la marque
dont t'en souviens, hein, c'était un révolutionnaire, c'était il y a plus de 20 ans, casque avec modulable. La moutonnière qui se glisse derrière le casque. Eh bien, Roof revient avec un boxeur, un nouveau Roof boxeur avec 2X, boxeur avec 2X, et tout change au niveau de, du flux d'air, des aérations, de la protection. Et Roof veut s'installer non plus seulement sur le créneau urbain, mais également sur le créneau routier. Donc on va voir, c'est une marque française, hein. Ils sont installés à Pégomas. Oui. Donc on leur souhaite tout le succès possible. Et on sait que Shark, également une marque française aussi, utilise des casques avec... Oui, je crois que c'est ils ont un casque qui est homologué à la fois en intégral et en jet. Et la double homologation, ça c'est aussi un bon coup qu'ils ont réussi. Voilà, alors voilà les nouveautés, il y a aussi la R3 qui évolue, la R3 qu'on a pu essayer sur le circuit Carroll, qui a la location sur le circuit Carroll, qui évolue avec un peu plus de puissance. Tu as un pilote, Stéphane, qui roule en Supersport 300, il est sur Yamaha. Oui. C'est pas facile, hein, face aux Kawa qui font 400, face aux KTM, et puis il y a Suzuki qui va arriver avec une GSX-R 300. Alors, pour faire face à ça, Yamaha a sorti des évolutions sur sa R3 avec 42 chevaux maintenant et puis 321 cm3, le calage variable des soupapes, fourche inversée. Ça commence à devenir disputé le championnat de 300. Ça te plairait, toi, Stéphane, toi qui, ah non, mais c'est une belle catégorie. Tout. C'est une belle catégorie, d'autant plus que auparavant j'avais mon team là, et là c'est quelque chose que j'aimerais encore aujourd'hui mettre en place, faire rouler dans le championnat du monde Superbike des 400. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des différences entre les motos, hein, notamment les Kawa. On voit être toutes les places en mondial. Hein. C'est d'ailleurs Carrasco, qui est la jeune Espagnole, qui est en tête du championnat. Ouais. Donc, la première à avoir remporté la course de mondial. Ouais, du mondial, ouais. Première fille. Ouais. Ouais. Donc, non, c'est une belle catégorie. Il y a des pilotes qui s'entraînent actuellement aussi pour arriver dans cette catégorie, dont le jeune protégé d'Adrien Morillas. Mm. Et donc, je pense que c'est une catégorie qui a de l'avenir. Alors, ouais, tu parlais. Vas-y, termine ta phrase. Non, mais c'est une bonne chose, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir mis ça en place. Ça fait 2 ans maintenant, je crois. Oui, ça fait 2 ans. Et puis, c'est surtout, ça reste entre guillemets. Alors, il ne faudrait pas que ça dérive, parce que tu vois, on voit que déjà la Yamaha peaufine son matériel, etc. Il ne faudrait pas après que ça dérive et que ça devienne hors de prix. Là, il y a quand même une base de travail qui est relativement accessible financièrement, je veux dire. Et il ne faudrait pas que ça prenne les dérives des catégories supérieures. Faut que ça se stabilise et que ça n'aille pas plus loin pour justement que les... Parce que des 300, c'est des jeunes. Si c'est des jeunes, c'est souvent les parents qui sont derrière. Je pense que Stéphane, tu dois être confronté à ça. Et il faut pas que ça bascule, tu vois. Il y a un point de rupture qu'il faut pas dépasser. D'accord. Alors, on passe au flop. C'est de la compétition. C'est pas tout à fait des flops. C'est des choses qui nous touchent et qui sont négatives. C'est évidemment... vous connaissez Mathias Bellino, 2 fois champion du monde d'enduro, qui a eu un grave accident en août. Il y a un pot commun, il est devenu paraplégique à la suite d'une course de préparation pour le Dakar. C'était fin août en Argentine. Et puis, le monde de la moto se mobilise pour Mathias Bellino. On pense à lui, on lui souhaite tout le courage possible. Et puis, un véritable flop en MotoGP qui reste encore aujourd'hui vif, puisque mi-septembre, c'était à la suite du Grand Prix de Misano. Du Grand Prix de Misano, exactement. On a Christophe Ponson, le pilote luxembourgeois, qui a poussé un cri du cœur. Il s'est fait évincer après une course de MotoGP alors qu'il en avait signé. Il avait un contrat signé. D'après le message qu'il a posté sur les réseaux sociaux, il avait signé pour plusieurs courses avec Avincia. 4 courses, et puis il a été salement évincé, d'ailleurs à la suite de manœuvres, d'après lui, de pilotes de MotoGP comme Jack Miller ou Cal Crutchlow, qui ont un peu la mémoire courte, je crois. Oui, enfin bon, c'est toujours pareil. On lui a reproché effectivement son manque de connaissances, de performance, mais Christophe, il est arrivé dans une situation hyper complexe, c'est-à-dire qu'il y avait, entre guillemets, Avintia, on sait ce qui les motive. Loris Baz a perdu sa place. C'est l'argent. C'est l'argent. Il faut le dire comme ça. Donc un gros flop. Donc voilà. Et... Alors,
Eux, après, ont justifié la présence de Christophe en disant on avait promis à Tito Rabat, qui était blessé avec, suite à sa chute à Silverstone, de ne pas prendre un pilote qui serait susceptible de le concurrencer en termes de performance. Le problème, c'est que Christophe, il est arrivé directement à Misano. C'est un bon pilote dans l'absolu. Moi, je l'ai vu rouler en CEV, en Superbike. Il a fait des podiums. Il et a je fait peux des vous podiums dire que en championnat de France Superbike. Voilà, et le, mais même que le niveau du Superbike espagnol est quand même largement supérieur au championnat de France. Donc, on fait des podiums en Espagne. On n'est pas n'importe qui. C'est sûr, il n'avait pas l'expérience. Mais personne n'a l'expérience aujourd'hui. N'importe quel pilote qu'on prend du jour au lendemain, qu'on met sur une MotoGP, c'est compliqué. Surtout, débuter dans le cadre d'un Grand Prix. Il aurait eu une séance d'essai de préparation, ça aurait été différent. Par contre, là, il avait fait un chèque pour ses 4 courses, ça c'est une évidence. Et puis là, Miller qui est passé du Moto 3 au Moto GP d'un coup, il s'est fait tailler. Voilà, ça a été un. Karl Kröchlow qui est arrivé du Supersport, du Superbike, ça n'a pas brillé tout de suite pour lui aussi. Mais bon, voilà, c'est pas très, très sympa, d'autant que sur la course, même s'il était loin, mais ça c'est normal, il n'a pas fait d'erreur, il n'est pas tombé, à chaque séance il a progressé, on aurait au moins pu lui laisser un deuxième Grand Prix à faire. Merci Stéphane. Merci Stéphane. On va accueillir maintenant un pilote qui est voisin et qui s'appelle pas Stéphane, qui s'appelle Mathieu. C'est Mathieu Lagrive qui est venu exprès pour nous voir et nous parler d'endurance, mais aussi de course sur route, de tout. Ce sera dans le débrief sport et c'est tout de suite. Le débrief sport avec Mathieu Lagrive qui nous a rejoint. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir. Au moment où on tourne, tu descends tout juste du podium du Bol d'Or. Effectivement, voilà. Ouais, effectivement. Troisième ce week-end lors de ces 80e Bol d'Or. Donc ouais, belle aventure. T'étais particulièrement ému, c'est bon pour toi de revenir au plus haut niveau après une épreuve, tu l'as gagnée quand même 6 fois, t'es pas blasé? Non, pas blasé, je pense pas être revenu, je suis jamais trop parti en fait. Ouais. C'est juste que j'avais pas forcément les conditions optimum pour faire des tels résultats. 6 victoires au Bol d'Or quand même, t'es combien dans le classement? Je sais que tu vas me dire que tu sais pas, mais... Il y a Vincent Philippe, certainement Vincent qui est pas. Et Dominique Sarron, voilà. 7 victoires pour Dominique D'accord. Sarron. Gustave, comment il s'appelle, Tatav, le pilote qui a pendant très longtemps. Je te laisse faire la partie historique. Non, mais Tatav qui était le recordman des victoires avec 7, que Dominique Sarron a égalé et que Vincent Philippe a dépassé il y a 2 ou 3 ans, je crois, avec cette 8e victoire. Voilà, donc tu es sur le podium aussi des records. Pas très loin, ouais. Au Bol d'Or, les 24 heures, tu les as gagnées une fois? Une fois, oui. Une fois, une fois avec Kawasaki, avec Greg Leblanc et Fabien Forêt. Comment t'expliques que tu as eu autant de succès au Bol et aussi... Ouais, mais j'ai peut-être le record de deuxième place aussi au Mans. Ah, mais... Il y a des pilotes, Hervé Moineau, que je Mathieu... Je pense que je suis à 6 ou 7 deuxième place, il me semble. Ouais, ouais. Et, au 24 heures. Mathieu Lagrive avait Hervé Moineau comme team manager pendant quelques saisons. Hervé Moineau, il faut savoir qu'il est pas très loin du Castellet. Il n'a jamais gagné le Bol d'Or, alors qu'il a été, pareil, 4 ou 5 fois champion du monde. Je sais pas comment on peut l'expliquer, d'ailleurs. C'est des choses comme ça. Il y a des courses qui vous réussissent et d'autres qui vous échappent. Toi, c'est Stéphane, tu as bien failli gagner le Bol d'Or aussi. Ouais, j'ai failli. Ça s'est joué à quoi? À un tour, ouais. Pas bien réveillé, hein, ouais. Parce que je venais de partir de mon relais. Il était 4h du matin. Et puis, au premier tour, dans le gauche de la Sainte-Baume, je suis monté sur le vibreur. Et puis, on était en tête du Bol d'Or. Donc, voilà. Donc, j'ai jamais gagné, comme Mathieu. Non, moi, j'ai jamais gagné le Bol d'Or. Pardon? Il y a une histoire de panne d'essence aussi. Oui, il y a une panne d'essence. Ça, c'était en 96. Ouais, ouais. Ça, c'est grâce à Christian Bourgeois, la panne d'essence. Donc là, on était pas en tête, on était deuxième, mais bon, on jouait la gagne parce que bon, moi, je jouais le titre, hein, donc pour être titré, il fallait qu'on gagne, on n'avait pas le choix, pour être même nombre de points que Brian Morrison, qui avait été titré cette année-là, et voilà. Donc non, je suis passé à côté 2 fois. Ouais. Vous avez un point commun, Mathieu et Stéphane, c'est que vous êtes multi-discipline, c'est-à-dire que tous les deux, vous avez fait des courses sur route, et toi, Mathieu, tu viens d'être titré en... International Road Racing Championship, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, j'ai été contacté là au mois de février pour faire ce genre de course que je ne connaissais pas du tout. J'étais contacté. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Tu mais regardes pas les vidéos YouTube. Je vais sur Internet, je regarde ce que c'est, j'observe, je regarde et puis
Et puis pourquoi pas, pourquoi pas, j'aime les aventures. Tu es quand même décidé après avoir regardé. Exactement. Ah non, 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 parce que moi à la base, tout ce qui était TT, tout ça, c'était hors de question. C'est inconcevable. C'était inconcevable pour moi de. Et pourquoi j'ai pas... Trop dangereux. Ouais, déjà, j'ai passé le permis moto pour faire le Dakar. Et franchement, je ne roule pas sur la route. Non, non, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Bah, la preuve que si, quand même. T'es, ouais, t'es mais là, là. Oui, mais il oui, n'y a pas de voiture en face. Il y a, y, a y a des maisons, il y a des arbres, des trottoirs. Donc le Tourist Trophy, c'est... Je suis encore un petit peu. Stéphane, toi, tu l'as fait deux fois. Oui, je l'ai fait deux fois en 97 et 98, ouais. Ouais, deux fois le TT, ouais. Une fois Macao en 99. Voilà, ça s'est bien passé, t'en gardes de bons souvenirs. Bah, la première année, j'étais un peu foufou, hein. On était pilote, donc t'es pilote de vitesse, tout de suite tu vas aller vite. Et c'est le gros danger sur l'île de Man, quoi. Il faut vraiment se contenir et puis se dire, voilà, t'es là pour apprendre et il faut pas aller trop vite. Je suis monté sur les trottoirs deux fois, enfin bon, j'ai fait des trucs de fou. Hein. À Balobridge, je suis retombé sur la roue avant, je suis monté sur le trottoir à Ramsey, enfin, moi j'ai fait des trucs de fou, je me suis vraiment fait peur la première année. Donc du coup, des fois, on pouvait faire quatre tours dans la journée, en séance. Bah, il y a des fois, je faisais qu'un tour parce que bah, j'avais la trouille, quoi. Il y a des fois, je me faisais peur où tu vois des mecs par terre et... Bon, ça te refroidit, quoi. Il y avait aussi une expérience au mototour qui t'avait refroidi. T'avais terminé les fesses dans un ruisseau, je crois. Ouais, j'avais fini dans la rivière, pareil. Bah, toujours pareil, hein. T'es en tête. C'est l'habitude de l'enduro, ça. T'es là, tu veux faire bien. Et puis, du coup, bah, t'es là pour rouler tranquille au départ. Et puis, bah, tu te retrouves devant. Et puis, t'es pris dans le truc, de toute façon. Voilà, c'est ça. On vous connaît, les pilotes en général. Ah, bah, on lâche rien. Vous avez fermé la visière, même si tu dis, je vais y aller cool, au bout d'un moment, il suffit que tu fasses... C'est pas possible. Déboîté par un autre et tu dis bah, je vais le suivre et puis on verra ça. Il y a les fusibles qui se touchent et ça repart. Voilà. Les fusibles qui se touchent. Comme... Ouais. Le Dakar, c'est ça qui t'a. Parce que tu étais bien parti au Dakar, Mathieu. Ouais, c'est une belle expérience. Bah, surtout que j'ai décidé de faire le Dakar, j'ai jamais fait l'enduro. Quoi. Il aime bien les challenges. T'as regardé Mathieu, des vidéos de challenge. Depuis tout petit, ouais, je l'ai regardé. Non, j'ai eu la chance de m'entraîner pendant David Barrault, le concessionnaire de Narbonne, qui avait déjà plusieurs participations. Donc c'est vrai que j'ai commencé 10 mois l'enduro avant de faire le Dakar. Maintenant, je pense que j'aurais plus le niveau pour le faire. Et Stéphane parlait de Macao. Macao, ça pourrait t'attirer ou pas? Eh ben en fait, maintenant avec ma nouvelle équipe, Enstrese, qui font ces courses de Macao, de TT, on en parle. On en parle. Et maintenant, on passe tout de suite au Garage Pro. Je suis Thomas du French Atelier. Yamaha nous a confié une XSR 700 pour la modifier. On aime bien cette moto, c'est une moto qui s'y prête à la transformation. Elle a un joli cadre, un joli moteur et pour nous c'était un beau challenge. Pour le thème Back to the Future, on a décidé de réaliser une moto très basse, très courte et très minimaliste et quelque chose d'assez féroce visuellement. On a refait entièrement une face avant, intégrant un rétroviseur en caméra, un réservoir entièrement fait sur mesure, à la main, qui épouse vraiment le cadre et le moteur aussi. Une petite coque arrière, très minimaliste, pour vraiment dégager la roue arrière. Des roues pleines, pour accentuer le côté futuriste. Et des Komodo entièrement à LED, à impulsion, et des guidons bracelets très bas, et tout un éclairage à LED. Le French Atelier est back to the future. Et c'est maintenant le débat des tours en rond aux grands horizons. Le débat avec Stéphane Coutel et Mathieu Lagrive. Des tours en rond aux grands horizons. Vous êtes des pilotes de vitesse avant tout, au départ. Toi, Mathieu, tu as fait de la vitesse en Grand Prix. Un tout petit peu. Un tout petit 98, peu. 98, j'ai fait les 5 derniers Grands Prix avec Tech 3. Ouais. Et j'avais comme coéquipier Olivier Jacques. Ouais, avec Olivier Jacques. Donc c'était lui qui a de la chance de rouler avec moi, par contre. Oui. Ouais. Je pense qu'il ne l'a pas saisi tout de suite, non, la chance qu'il avait de rouler du avec coup, il a arrêté très vite. Ouais. Ça serait pas mal de l'avoir en coéquipier qui revienne un peu faire des rangs. Je crois qu'il a passé autre chose. Ouais, je crois qu'il fait autre chose. Il vit dans son bateau à Barcelone, non? Ouais. Exactement. Alors, le bateau, justement, les grands horizons, c'est ce dont on va parler avec toi aussi, Stéphane. Toi, tu organises des balades Grand Prix. Toi aussi, tu es un pilote de vitesse. Tu as commencé par la Coupe Kawa, si je m'abuse. Coupe Yam. Coupe Yam. Coupe Yam et Coupe Kawa à partir de 90. Voilà, c'est ça. On s'était retrouvés ensemble. Donc, pur pilote de vitesse, toi aussi. Tous les deux, vous êtes des pilotes de vitesse. Et maintenant, vous avez ouvert votre horizon jusqu'à faire le Dakar. Pour toi, Mathieu, toi, Stéphane, maintenant, tu organises des balades sur les Grands Prix. Ça te prend tout ton temps?
Bah, une grande partie de l'année, oui, puisque à partir d'avril, mais il y a toute l'organisation, toute la mise en place en amont, donc les réservations d'hôtels, le parcours, et puis voir aussi avec tous les gens sur place, sur le paddock, hein, que ce soit tous les Français, encore une fois, hein, Mathilde Poncharal, Alain Bronec, Jackie Hutto, Florian Ferrati, tous les Français qui sont sur le Grand Prix, prendre contact avec eux pour les rendez-vous après, pour quand on est sur place le jeudi, même des fois un peu aussi le vendredi, le samedi, le dimanche, ça dépend. Après, il y a beaucoup de monde sur le paddock, donc c'est compliqué de faire des visites, mais c'est pour ça qu'on se concentre vraiment le jeudi, où c'est là qu'on arrive à voir un peu de monde. Le concept, c'est 2 jours de balade, 3 jours de Grand Prix. Voilà. Tu prends des entrées tribunes et tu les emmènes quand même dans le paddock. Voilà, en fonction de la destination, ça peut être une journée ou 2 jours de balade. Comme là, en Italie, à Misano, on a fait 2 jours de balade. On a traversé toute la Via Emilia, la Toscane, on est passé par le Mugello pour remonter jusqu'à Urbino, ville natale de Valentino Rossi. Puis après, bien sûr, on est passé à Tavuglia, le musée Simoncelli. Donc c'est tout un programme à chaque fois qui est à mettre en place. Vous faites des visites touristiques aussi ou c'est que du moto? Oui, ça nous arrive, hein, bien sûr. Oui, des musées, des églises. Oui, voilà. Ouais. Mais... non, mais ça dépend de la destination. Là, comme en République tchèque, c'était sympa aussi. C'était plus mode vacances, donc on avait un peu plus de temps. Et on est passé par Prague, donc on a pu visiter sympa. Prague, c'était sympa. Et Kafka, puis, tout ça. Voilà, donc non, on s'est régalé. À chaque fois, on passe un super moment. Enfin, de toute façon... C'est pas trop le malin, toi. Ouais. Donc, finalement, c'est une vie de nomade un peu que vous avez choisi dès le départ. Parce que quand t'es pilote, tu voyages beaucoup. T'as tout le temps ton sac de voyage, Mathieu. Il a jamais défait. C'est machine, sèche-linge, il recharge. Il sent fort, Mathieu. Moi, je suis toujours habillé pareil, en fait. Est-ce que c'est contraignant un peu? Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a pas marre? Honnêtement, si. T'attends l'hiver des fois. Honnêtement, il y a certains moments où j'étais vraiment fatigué de tout le temps être à gauche, droite. Et ça fait 25 ans maintenant. Ouais. Avec les blessures aussi, avec parfois les blessures, surtout avec les blessures. Ça dépend aussi des saisons. Tu as des saisons qui sont plus ou moins des fois chargées ou pas. Mais c'est vrai que entre toi, l'endurance, ce que tu fais, l'IRC, les enfants, tu fais rouler ton fils en promosport, donc t'es tout le temps parti. C'était tout le week-end. Je me rappelle de temps en temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me rappelle des années. C'est vraiment une vie de nomade parce que quand tu t'enquilles le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde d'endurance, t'es jamais chez toi, quoi. Tu vois, donc moi j'avais la chance d'avoir une femme qui aimait ça, tu vois, donc qui aimait la course moto. Et puis mon fils qui était encore petit et qui a pas connu la maternelle, quoi. Il nous suivait tout le temps sur les circuits. Il se tirait la bourre avec Jacques et la Conny sur le scooter, quoi. C'est sur une éducation comme une autre. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça a été la mienne. Ou Mathieu Lagrive, hein. Depuis tout petit aussi avec mon père. Depuis tout petit avec ton père. Ouais. En fait, c'est ce qui t'a donné justement, c'est parce que ton père roulait, toi tu roules, tes enfants roulent. C'est un cycle logique. Logique, pas forcément, parce que t'es pas forcément passionné. Ça t'aurait pas, enfin, je veux dire, ça t'aurait pas déçu si tes enfants t'avaient dit, la moto, ça m'intéresse pas. Ah, ça m'aurait arrangé. Là, pour le coup, ça m'aurait arrangé. parce que ton fils, là, il a terminé deuxième du Promosport 125. Il remporte le challenge Suzuki. Ouais. D'accord. Et il accroche lui aussi. Le truc, c'est qu'il accroche. Et puis, comme j'ai souvent dit, il est très intelligent. C'est l'école, le vecteur. S'il n'y a pas de bonne note, il n'y a pas de moto. D'accord. Parce qu'on en voit tellement là sur les paddocks des têtes de nœuds que. Ah, papa, il paye, mais plus tard, il n'aura rien, quoi. Donc, vas-y, paye. D'accord. Donc, toi, c'est la carotte, quoi. Ouais, c'est indispensable. C'est indispensable. Bah oui, je suis passé par là. J'ai baisé mes parents, ils vont pas me baiser, non? Ah, puis il y a eu une initiative aussi sympa. Mathieu, il a roulé avec son père et ses enfants. C'était au 23h60 au Mans. Avec mon frère. Avec ton frère, pardon. Ouais. Oui, ton père était dans le team. Ouais, mon père, il pouvait là, 23h60. Non, papy, on va le conserver. Non, mais voilà, c'est sympa. C'est aussi ce côté. C'est l'objectif. Là, on attend que le petit dernier grandisse un peu plus, qu'il soit en âge. Et je pense qu'on va faire un team familial. Mon père, ma sœur. Frère, ça serait le bonheur. Ouais, quoi. Ouais. Ah ouais, comme parce que ma sœur et mon frère ont également roulé. Donc, ouais, Alexandre, qui a roulé aussi avec toi en endurance. Vous avez fait équipe d'ailleurs. Une fois à Bahreïn. À Bahreïn. Il y a une seule course à Bahreïn qu'il devait tester pour le championnat. Et donc à l'époque, j'étais au GMT, il m'a autorisé de partir rouler avec mon frère pour que je puisse apprendre le circuit pour l'année d'après.
C'était juste après Doha. On rappelle. Et le Dakar, alors, comment ça t'est venu? C'est toi qui en as eu envie? C'est une proposition qu'on alors, t'a faite? Alors, le Dakar, un rêve de gosse. Depuis tout petit, t'étais derrière à l'époque, c'était la 2, je ne sais plus. Enfin, depuis gamin, j'ai toujours suivi. C'était un truc, j'étais émerveillé. Vraiment émerveillé. Et puis, au fur et à mesure, les années se faisant, à l'époque, j'étais chez Yamaha, qui m'ont vraiment bien aidé. Parce que bon, ça a un coût, quoi, le Dakar. J'étais dans la structure HFP. Un peu la structure officielle Yamaha, on était toute une bande, on était 6, dont David Barrault, Étienne Normand qui est de Perpi, les gens d'ici. Donc ouais, il y a une belle synergie, ça s'est mis en place et puis on a réussi à trouver les budgets. Puis voilà, c'était parti. Une aventure de fou, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que la population, la gentillesse des gens, les paysages. Parce qu'on il faut savoir qu'il y a un système Eritrac. En cas d'arrêt, la moto, on est surveillé de Paris. Oui, depuis Paris. Et puis moi, des fois, quand c'était tellement joli, des fois, je m'arrêtais. Et je me faisais engueuler, quoi, j'avais pas le droit. T'as pas le droit de t'arrêter. Non, en plein spécial, t'as pas le droit. Ouais. Mais bon, je faisais une pause. Quoi. Oui, mais bon, quand t'as joli, passé toute ta vie à tourner en rond, quand tu vois d'autres horizons, génial, forcément. C'était magnifique, là, au pied de la cordillère, c'était top, top. Ouais, puis en plus, c'est juste à contre-emploi. T'es dans une spéciale où normalement, tu dois aller le plus vite possible, et puis tu vois une moto qui s'arrête, et puis qui repart, qui s'arrête, forcément. Monsieur Lagay, vous faites quoi? Je regarde, c'est joli. Et toi, Stéphane, toi, le Dakar, ça t'a pas tenté? Bah, l'année où Mathieu a participé, j'étais en train de monter un dossier, mais bon, j'ai pas trouvé le budget nécessaire pour le faire, mais c'est quelque chose qui fait rêver, bien sûr, oui, et surtout l'Amérique du Sud. D'ailleurs, l'an prochain, je vais aller faire des derco en Bolivie, au Chili. Enfin, je vais m'attaquer à l'Amérique du Sud. Là. Mais toi, tu vas devenir vraiment organisateur de voyages. Bah après, j'ai de la demande aussi, mais c'est, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. T'as pas besoin d'avoir droit. Bah, faut en parler, faut voir. Ouais, parce que l'hiver. Je me fais chier. Non, c'est vrai, j'ai de quoi m'occuper. Donc, tu vas pas défaire ton sac de voyage, même l'hiver maintenant. Jamais. Stéphane, les balades Grand Prix, ça se fait maintenant sur d'autres continents, pas seulement en Europe. Donc, tu parlais de la Thaïlande, mais voilà, t'envisages aussi d'aller en Amérique du Sud. Voilà, c'est ça. On a attaqué l'Europe au début, bien sûr. Et la Thaïlande, ça sera la première année cette année, puisque c'est la première fois qu'il y a Buriram. Mais par contre, il y a deux ans, j'ai fait deux fois le Superbike à Buriram déjà. Ouais. Et puis les 8 heures Suzuka, où j'avais emmené aussi des clients à Suzuka pour découvrir la course au sein du GMT. Ils étaient carrément, il y en a un qui était panoteur, l'autre ravitailleur. Et donc, ils ont vraiment vécu la course de l'intérieur. Mathieu, toi, quand tu vas avec ton team, avec des teams à Suzuka, un peu pour le mondial d'endurance, est-ce que vous prenez le temps d'aller visiter un peu ou c'est vraiment... Course. Ouais, c'est vrai que j'essaie un petit peu maintenant avec l'âge. Élargir ton horizon. Avec l'âge. Et j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir par le passé un ami qui habitait là-bas. Son père était boulanger sur place, je crois que tu as connu. Ouais. Hein, c'était témoin de mariage de mon frère, qui maintenant vit à nouveau en Normandie. D'accord. Et donc, quand il habitait là-bas, il m'est arrivé de partir peut-être 15 jours avant, parce que pour le décalage, moi je supporte très mal le décalage. Le jet lag et tout, c'était horrible pour moi à chaque fois. Pour la vie que t'as choisi, c'est pas facile. On arrive le mardi, on roule le mercredi, et tu pars, t'as récupéré, quoi, donc c'est pas bon. Donc non, c'est pas top. On a partagé la chambre une année à Suzuka avec Grégory Leblanc et Fabien Forêt. C'est vrai qu'à 4h du matin, on entendait un peu de bruit. Moi, je regardais et Mathieu, il se levait, hop, il sortait et il nous disait, là, je suis allé me balader, je suis allé prendre le petit déj. Tu vis mal le jet lag, carrément. Ouais, puis je suis un peu un solitaire. Je m'en vais la nuit, je vais découvrir les entrailles. Donc, tes prochains projets, Mathieu, c'est quoi? Mes prochains projets, moi déjà, par le fait du podium au Boulder, j'avais signé un contrat avec le team Penstres pour l'endurance. Donc, on fait le championnat. J'ai continué également le championnat IRC en 600. D'accord, parce que là, oui, c'était la catégorie super sport et tu continues l'année prochaine. Je reste en super sport, oui. Il y a Danny Webb, maintenant c'est la même structure. Donc Danny, c'est vrai qu'il a été titré en 1000. Exactement, les deux, on est donc l'équipe Webpol a à nouveau titré, il est titré en IRC, donc en 600 et en 1000. Donc vous reconduisez votre titre. On reconduit, et puis les projets, monter des projets pour les enfants, pour Louis, je vais essayer d'aller. Donc tu vas en faire des nomades. Il faut tout mettre en place. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là, c'est dommage. Le projet, ça serait quoi pour Louis? Et tu veux le faire monter en promo, je ne sais pas. La suite logique serait du 400. Toi, Stéphane, les projets, c'est quoi?
Bah, les projets, c'est justement faire des courses, organiser des voyages sur les courses MotoGP en Amérique du Sud, donc l'Argentine, les États-Unis. Enfin, essayer de faire tout le championnat parce que j'ai de la demande un peu pour toutes les courses. L'année prochaine, on va en Australie, hein. Australie et Japon, on va à Montégui. Hein, faire long à moto, non? Bah oui, mais on loue les motos sur place quand même. Hein. Donc oui, à Melbourne et puis on va faire la Great Ocean Road et après le Grand Prix. Et donc voilà, donc ça va être le côté magique de ce voyage en Australie. Ouais. D'accord, donc si tu as besoin un peu de monde, je crois que... Non, c'est bon, j'ai pris les devants. C'est bon, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Bon, sans concession, on aura servi à sceller ce pacte. Ouais. En tout cas, merci Stéphane de nous avoir parlé de ton projet, de tes activités Balade GP. Merci Mathieu d'être venu depuis Narbonne, hein, c'est ça? Oui, je suis maintenant, ça fait 15 ans que je suis... dans la région. D'accord. Et puis, Eric, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. En attendant, partagez, likez, comme on dit, et surtout abonnez-vous à notre page. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.